Alors le cancer du sein est généralement, enfin le cancer en général est généralement associé à une maladie grave qui peut modifier finalement la vie de chacun d'entre nous pendant quelques mois, voire pendant plusieurs années, et avec des traitements qui peuvent être lourds, qui peuvent être visibles, et pour lesquels les personnes avec qui on travaille, on vit, vont également être concernées par cette maladie. Comme Pauline, vous le rappeliez, c'est vrai que la cancérologie en France est extrêmement encadrée depuis 2002 avec le plan cancer qui a considérablement modifié nos pratiques et qui nous a imposé de travailler ensemble, ce qui est, je pense, un progrès considérable, hein, puisque avant, on pouvait traiter seul dans son coin son cancer et on sait que seul, une spécialité seule ne fera rien dans le cancer. Donc, ça a été cadré au niveau national avec chaque territoire a des centres référents de cancérologie. Par ailleurs, Pauline, comme vous le disiez, effectivement, la réunion de concertation pluridisciplinaire est obligatoire à la fois pour prendre des décisions, mais c'est une RCP, c'est une réunion sur dossier. Ce n'est pas donc, hein, donc c'est consultatif. Donc tous les dossiers sont soumis avant, après la chirurgie, en situation métastatique, dans des situations complexes. Néanmoins, ça ne remplace pas l'entretien individuel que tout patient peut avoir avec un médecin. Et dans certains cas, finalement, le ou la patiente n'accepte pas le traitement proposé pour des raisons qui concernent le ou la patiente. Et donc, alors, il n'est pas rare en cancérologie de recevoir des patientes pour deuxième avis, d'avoir des dossiers, on va dire, qui circulent pour deuxième avis. De nos patientes vont également prendre un deuxième avis et parfois on peut inciter les patientes à prendre un deuxième avis. Il faut savoir que dans le deuxième avis, alors ça je pense que c'est vous qui l'avez publié récemment, dans 75% des cas, les avis sont concordants entre les avis générés et dans un quart des cas, l'avis peut être différent, ce qui ne veut pas dire que c'est une erreur, mais donc peut entraîner ce qu'on appelle une alternative, par exemple, soit dans le type de traitement, soit dans l'ordre des traitements proposés. Donc pour et souvent ça peut rassurer, c'est-à-dire une patiente que l'on voit pour deuxième avis, si on lui dit bah, c'est cohérent avec ce qu'on vous aura proposé, elle revient dans ce cas-là dans le centre de prise en charge initiale et ainsi rentre, on va dire, en confiance dans ce parcours à la fois de traitement et ce parcours de vie. Voilà, le deuxième avis peut être concernant voilà une chimiothérapie, oui, non. Faut-il vraiment retirer le sein, c'est des décisions qui sont graves et qui atteignent, on va dire, la personne dans sa corporité, dans son entièreté. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a cette chance. Alors, ce deuxième avis, effectivement, en présentiel ou sur dossier, ce que ça apporte, c'est rentrer en confiance dans les traitements qui vont être reçus par les personnes. Et cette confiance, elle est primordiale dans la prise en charge d'un cancer, encore plus que pour d'autres pathologies. Alors, je pense qu'elle est primordiale, surtout bien sûr pour les patients qu'on va soigner, mais aussi pour le médecin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un rapport de confiance entre les deux. Et des fois, on peut sentir, enfin, récemment, c'est que j'ai eu une consultation qui n'était pas toute simple. Et je sais que cette personne a vu plusieurs de nos collègues. Et c'est pas toujours. Et comme c'est vrai que je lui ai dit, il faut que la confiance y soit réciproque. Et voilà, faire un traitement à contre-pied, à contre-cœur, c'est parfois, enfin, c'est pas aisé.